Je déverse ma haine dans un fond d'absolu. J'ai la mentale solide, donc j'ai pas besoin de simu. Pour faire du cash, moi j'ai pas besoin de sécu. Je passe à l'attaque, donc je deviens assidu. La victoire est archi loin, mais je crois que c'est ça qui m'excite. Tu m'as trahi, gros, c'est rien, mais reviens pas rempli d'excuses. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Et négro, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon, c'est la petite vidéo actuelle du mardi. L'équipe, on recommence cette deuxième vidéo actu du lundi, puisque oui, je vous ai publié une petite vidéo actu à midi qui regroupe ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Puisque hier soir, j'ai pas pu publier de vidéo, j'étais vraiment pas bien et voilà, j'avais vraiment mal à la tête, j'avais du mal à me concentrer et faire le montage. Donc c'est pour ça que j'ai publié deux vidéos aujourd'hui. Et en gros, là, on a Dossé qui a annoncé que son album, il était complètement presque fini quoi. Chargement en cours. On peut voir qu'il a dit: à toutes les personnes qui pensent que je suis le meilleur, pensez-le encore plus fort, car c'est bel et bien la vérité. Nouvel album, chargement en cours. Et là, il annonce que son album est en chargement et il annonce un nouvel album, tout simplement. Ensuite, en parlant de sortie, on a Shai qui a annoncé que son album, il était terminé et qu'il sortira bientôt. Et je rappelle que il y a la nouvelle école saison 3 qui a été annoncée. Et Shai et Niska ne font plus partie du jury. Ils ont été remplacés par SDM et Aya Nakamura. Et voilà, là c'était juste pour vous annoncer que Shai a annoncé un nouvel album, l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que ISK a annoncé la sortie de son nouvel album, qui va s'appeler L'Art de la Guerre, et qui sera disponible le 27 octobre. Et là, il vient de dévoiler la tracklist de son album. Et il y a 17 titres. En gros, il y a un bonus en plus. Et il y a 5 featuring. On aura H22, Leto, Kalash Criminel, Niro et Lina Mayhem. Et ouais, personnellement, le feat avec Leto, je n'y attendais pas. Et j'ai hâte d'écouter son nouvel album, qui sera dispo le 27 octobre. Ensuite, il y a Color qui vient de dévoiler un nouveau freestyle sur leur chaîne. Et c'est un freestyle de Kershak. Et en gros, ce freestyle-là, il est en train de tourner un petit peu sur Twitter. Puisqu'il y a une personne qui a repris les 11 rappeurs que Mr. V a imité, tu vois. Et dans ce passage-là, il y a un passage qui ressemble grave à la musique de Kershak. Et Kershak lui-même a réagi. Il a mis des smileys morts de rire. Et en gros, je vous ai fait une petite comparaison des deux sons. Et c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Mais ouais, je vous invite à aller écouter le dernier Color de Kershak. Il est disponible sur Color, l'équipe. Mais les sous qu'on fait rentrer en vrai. Les sous qu'on fait rentrer, il faut en vrai les dépenser. Elle est en kiff quand elle entend ma voix. Sur le micro, je vais taponner mes doigts. Elle aime le bruit de ma gorge quand je bois. Elle en demande un peu plus à chaque fois. Je peux t'en dormir en tapant sur un clas. Fille où on fait couler de l'eau sur du bois. Ça te fait comme des papillons dans la tête. J'ai trouvé ma voix, je revends plus des plaquettes. Ensuite, il y a l'album ADC, Attaque des clones de Frisco Run, qui est certifié single d'or avec 50 000 ventes. Et je rappelle que l'album est sorti seulement le mois dernier, tu vois. Donc en un mois, il a fait le single d'or. Le disque d'or, excusez-moi. Donc vraiment, félicitations à lui. Ensuite, je suis tombé sur un article qui a été publié aujourd'hui par Le Parisien. Et ça parle de Booba et Magali Berda. Puisque, en gros, Booba, il se trouve actuellement à Paris. Et il a été mis en examen pour harcèlement. Et il est interdit d'entrer en contact avec Magali Berda. Et Magali Berda, elle a été placée en garde à vue par la police judiciaire de Nice. Et elle est suspectée de malversation financière. Et il y a Booba, justement, qui a publié une vidéo sur Twitter. Et il a dit: merci à tous pour votre soutien pendant ce long périple. Trois petits points. Hashtag, la piraterie n'est jamais finie. Et il a publié cette vidéo. Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recettes de biens. Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien, la piraterie n'est jamais finie. Ensuite, comme je vous ai dit, Booba il est actuellement à Paris. Et il était à Paris pour la Fashion Week, il me semble, puisqu'il y avait un événement. Et là, il y a Maes qui lui a laissé un message. Il a dit: Eli, t'es sur Paname, n'aie pas peur, send me location. En gros, il lui demande sa localisation, tu vois. Et en gros, Booba, il a publié une vidéo avec Marsou, qui a été mise sur le compte de Marsou. Et Marsou, il a dit: je suis pas de ces types qui changent d'équipe. Et il a identifié Booba. Et en gros, cette vidéo a été repartagée par Kunta Kinte 960. Et il y a Maes qui l'a commenté en disant: l'union fait la force, demande aux victimes. Et il a mis un smiley mort de rire. Et en gros, je rappelle que Marsou, c'est son ancien meilleur ami, avec qui il est en clash. Et ils ont publié cette vidéo ensemble, regardez. Toujours au quartier. Toujours. Bim, bim, bim. C'est le panel. C'est le panel. C'est le location. Selon localisé, mon père. Et ensuite, Maes, il a laissé un message qui est destiné à Booba. Il a dit: T-Max solo, trois petits points.
location prise. Et voilà. Et en gros, ben, il te demande de la localisation de Booba, tu vois, où il se trouve à Paris. Ensuite, hier à midi et aujourd'hui à midi, je vous ai publié deux vidéos actuelles. Et en gros, on a parlé du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Et lors du combat, ben, il y avait justement la personne qui entraîne Jordan Zebo qui était dans le public, qui est Fernand Lopez, tu vois. Et ben, cette personne-là, il criait justement la phrase de Cédric Doumbé, « Jordan, t'es mort ». Alors que ben, c'est lui qui l'entraîne, c'est une dinguerie. Et je rappelle que Cédric Doumbé, il l'a accusé de frapper sa femme, tu vois. Et il a assumé justement en interview. Et sa femme, hier, elle a réagi avec un long message que je vous ai lu cet après-midi. Bref, et ben là, Cédric Doumbé, il a réagi par rapport à cette vidéo que je viens de vous parler, de son entraîneur qui répétait sa phrase sur le ring. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, tenez, regardez. Mal au cœur, et là je parle sincèrement, et ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que là, en vrai, dans un premier temps, j'ai rigolé. J'ai vu quand Fernand disait t'es mort. Je me suis dit, il a un grain. Je me suis dit, c'est un ouf. Il est tellement déstabilisé lui-même que vas-y, il est obligé de jouer le jeu pour pas perdre la face. Mais en même temps, il est ridicule. Il sait plus quoi faire. Mais ça m'a fait mal au cœur en fait. Quand j'ai réfléchi deux secondes, je me suis dit, mais en fait, ils se rendent pas compte en fait pour Jordan. C'est terrible. Jordan, il va voir cette vidéo. Il va voir que le head coach, le président de la salle, je sais pas comment on appelle ça, il est en train de dire t'es mort. Mais ça a une signification de fou malade. Ça a une signification incroyable, immense. Et il faut pas le voir. Il faut pas le voir. En fait, ça se prend pas au second degré, ça. C'est pas possible. Tu vois, moi je vois pas Abdallah, on est en train de dire Cédric t'es mort, il est là dans le coin et dire ah, t'es mort pour rigoler, c'est pas marrant. Non gros, en fait pas à ce moment là, tu vois, peut-être avant le combat, conférence de presse, là c'est interdit, c'est là que j'ai besoin de ton soutien gros, c'est là qu'on part en guerre, c'est maintenant qu'on va le défoncer, l'adversaire, il n'y a plus de blabla, moi vous m'avez vu, avant le combat, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai tenu ma parole, j'ai dit Jordan. Mais moi, j'étais dans le combat là. J'étais pas avec vous. Là, j'ai juste tenu ma promesse. Mais j'étais dans le combat. Je vais pas m'égarer, mais la conclusion, c'est que je plains Jordan. Bon, j'ai vu que les réseaux sociaux, notamment Instagram, les réseaux sociaux de Jordan avait augmenté en followers. Je vous remercie d'avoir vraiment joué le jeu. Je vous remercie de lui donner de la force. Là, il s'exprime pas. C'est normal. Il faut le temps qu'il émerge, qu'il atterrisse. C'est très compliqué. Hein. J'ai jamais pris de KO, mais je sais ce que c'est pour avoir discuté avec des gens qui ont pris des KO. Et je sais ce que c'est tout simplement une défaite et surtout avec un enjeu comme ça. Merci de lui donner de la force. Quand je parle à gauche, tu m'entends. Quand je parle celui-là, tu l'as entendu? Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. 32 grammes, moi j'ai dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Bam, ça bouge, ça craque, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas. La bosse fait des bulles et mon joint se diminue. Fais pas l'ancien, ma gueule, t'es qu'un légume. On connaît ta réplique pour la gagne, on t'éteint. Y'en a pour le buzz, ils vont tuper, j'm'en bats les que si j'suis pas du cas. Devant les putes, j'vais pas louper, fais-moi la passe. Si gosse la marque, on arrive fort, donc bats les wets. Certains valident pas, j'arrive fort, donc bats les wets. Certains valident pas. Ouais, la victoire est archi loin, mais j'crois que c'est ça qui m'excite. Tu m'as trahi, gros, c'est rien, mais reviens pas rempli d'excuses. Donc voilà, et au passage, dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié des actualités, ben je pourrais les rajouter dans la semaine, tu vois, si jamais j'en oublie. Je te dis à soir pour une prochaine une vidéo et une nouvelle exclue. J'ai pas d'outro qui sont prévus, donc j'essaie d'en trouver, tu vois. En fait, je tourne tout le même jour, donc c'est galère à en trouver. C'est les games. Dans ma tête, ça suit pas, je veux anticiper. J'ai vu que le même me plaît pas, je me suis dissipé. L'hiver, j'enfile le cache-nez, je fais que débiter. J'en ai fait des passes des, je traîne qu'avec des vrais. Des millions et millions bloqués dans ma tête. Des visions de litron, je veux pas que ça s'arrête. Ils font tous les bandits, mais n'ont rien compris. Il suffit d'une bastos pour t'enlever la vie.